Salut à tous, c'est Fabien, égérie cuisine et salarié Lidl France. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux appareils, un gaufrier de la gamme Silvercrest et le robot multifonction à travers une recette de gaufre forêt noire. A tout de suite. Pour la pâte à gaufre, nous aurons besoin de farine, de beurre, de lait, de sucre roux, de pépites de chocolat, des œufs et enfin de la levure chimique. Donc en premier temps, on va ajouter les œufs et la cassonade. Et je mixe à vitesse moyenne jusqu'à avoir une texture lisse. Ce robot est constitué d'un bol mélangeur de 6,3 litres et d'un moteur d'une puissance de 1300 volts. Et sachet qui permet de mixer, pétrir et mélanger. On ajoute le beurre, on répète la même étape. On ajoute le lait, la farine, la levure chimique et enfin le couvercle anti-projection fourni avec la machine. On passe au dernier mixage, à plus forte intensité. On va passer maintenant à la cuisson de la pâte à gaufre. Pour vous indiquer que l'appareil à gaufre chauffe, un voyant rouge s'allume. On va ajouter un peu de beurre dans l'appareil. On ajoute une louche dans chaque partie du gaufrier et on referme notre appareil. Et on attend que le voyant passe au vert. Cela nous indiquera quand les gaufres seront prêtes. Soyez indulgents, les premières, c'est pas les plus faciles à réussir. Suspense. Donc, avec le gaufrier Silvercrest, il y inclut différentes plaques de cuisson. On peut passer à la fois du sucré au salé, avec l'appareil à panini et l'appareil à croque-monsieur. Le voyant est passé au vert, nos gaufres sont prêtes. On va les sortir du gaufrier. Et pour rendre les gaufres plus gourmandes, direction Chantilly. On va prendre 200 g de crème épaisse et 50 g de sucre glace. On a mis la moitié du pot dans le bol mélangeur. Et maintenant, on met notre sucre glace. On va maintenant monter la crème fouettée pendant 1 minute 30. On commence vitesse 4, puis on augmente jusqu'à ce que la crème chantilly prenne. Une fois que la crème chantilly est montée, je vais la mettre dans la poche à douille. Pour info, vous retrouverez cette poche à douille réutilisable chez Lidl. Je vais mettre la crème chantilly dans la poche à douille. On va maintenant passer au dressage. Donc je vais pocher ma chantilly sur la gaufre en formant des petites boules. On va y mettre des cerises pour rappeler le côté forêt noire de la gaufre. Et enfin, pour finaliser la gaufre forêt noire, quelques copeaux de chocolat fraîchement râpés. Soyons généreux aussi. Et voilà, notre gaufre forêt noire est terminée. Et oui, la vidéo est terminée. Vous en vouliez encore, bande de gourmands? N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et cerise sur la gaufre, retrouvez toutes les autres sur la chaîne YouTube Lidl France. À bientôt!